Yo tout le monde, c'est Shakur, on se retrouve pour la vidéo numéro 6 de Hearthstone. J'espère que vous allez bien. Alors on va continuer avec, un peu avec le chasseur. Parce que bah, j'aime bien jouer avec, je trouve ça sympa. Donc on va continuer avec le chasseur. Et puis, voilà, le fond est fort, putain. Option, son. Ok. The Chasseur of Destiny. On va voir ce que ça donne. Donc je répète, hein, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Contre Jaina. Je prends tout ce que vous avez à me donner. Que la traque commence. Ah bah moi ça me paraît une très bonne main pour commencer. Je vais tout garder. Ok, je commence. Je mets le sanglier. Alors, affiche les trois cartes du dessus du deck. Je vois ça. Allez, tiens, des melons dans ta face, les melons. J'ai pas mal joué là. Là, en gros, toutes les vidéos que j'ai tournées depuis la première vidéo, je les ai tournées en deux jours, pour l'instant. Parce que tout simplement, je kiffe le jeu, je m'amuse vraiment beaucoup dessus. Je vais juste faire ça. Ça je l'utiliserai quand j'aurai vraiment besoin de cartes. Ouais, donc je kiffe le jeu, j'essaye un peu toutes les classes pour voir ce que ça donne. Non, je sais pas si je peux l'utiliser ça. Alors je vais. Je réfléchis. Si. Je pense que je vais mettre ma provoque. Ouais. Alors vous, faudra me dire dans les commentaires dans quel ordre un peu faut jouer les cartes. S'il faut mettre, vaut mieux mettre une créature d'abord, puis une provoque ensuite, ou la provoque en premier. Mais moi je sais pas trop. Je vous avoue que je fais de mon mieux, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Maître chien. Non, ça je vais la garder. Alors je vais mettre mon sanglier. Et mon truc. Chargé, prêt à tirer. Pas beaucoup d'attaque, mais bon, c'est déjà ça. Alors pour le prochain tour, là j'ai une bête, un chien du magma. Donc ça faudra que. Que j'essaie de le protéger en fait. Je suis prêt. Je suis pas prêt. le golem à double tête, enfin les ogres à double tête qu'il y a dans le désert à côté de Gadgetzan. Que joue-je? Plus de. Est-ce que j'essaie de la garder un peu celle-là? Non, je vais jouer ça. Oh, votre ça. Adversaire est parti. Sérieux? Ok. Bon. Bon bah là c'est pas mérité hein, la partie on l'a même pas joué. Victoire. Continuons sur le chasseur un peu. Ah, pour l'instant j'ai testé un peu tout. Ce que j'ai pas trop aimé c'est le démoniste. J'ai pas trop accroché. Et la mage non plus j'ai pas trop aimé. J'ai bien aimé bah, le guerrier. Surtout la rogue, le chasseur et le paladin. Donc tout ce qui est corps à corps entre guillemets. Enfin sauf le chasseur bien sûr. Qu'est-ce que je raconte moi? Rexar contre Garrosh. Garrosh. La victoire ou la mort. Alors que non. La traque commence. Je vais enlever. Oh putain, deux chiens du magma, t'es sérieux? Tu me remets un chien du magma. Ah là on est d'accord. Là ça me botte. Deux chiens du magma pour commencer. What the fuck. Alors j'ai déjà un combat en tête là. Travail terminé.
après je mets ça. Ça fait plus que... Ah, ça fait que plus 1 en attaque. Travail terminé. Ah d'accord, je viens de capter un peu les trucs. Les couleurs, là quand c'est vert, c'est à dire que c'est classe chasseur. Et quand c'est gris, c'est neutre. Quand c'est rouge, ça doit être guerrier. Tiens. Mange-toi ça. Bing! Dans ta face, Garrosh! Lapidation! Travail terminé! Lapidation à coup de catapulte! Putain, j'ai toujours pas touché le chien! C'est quoi ce bordel? Je veux le toucher, ma soeur! Ah! Je me demande. Mais il joue... pourquoi il joue pas? Je vous traquerai. Allez. Elle tombe. Ok. Inflige 3 points de dégâts à 2 serviteurs aléatoires. Inflige 2 points de dégâts. Prochain tour, je vais pouvoir booster mon crocodile. Donc plus 2, plus 2, il va faire 4-5, donc c'est pas trop mal. Plus j'aurai celle-là, plus j'aurai le sanglier. Le sanglier Brush Rock of Destiny. Oh non. Ah non, pas encore. Bah c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Fusillé, alors. Les chiens sont de sortie. Ouais, je fais comme ça pour un point de dégâts, franchement, je me casse pas les couilles. Hein. Putain, c'est bizarre qu'il ait toujours pas sorti d'arme. Tiens, je vais t'apprendre à jouer plus vite, moi. J'ai tué quelqu'un. Ça devait être un gobelin vu le bruit. Rien touché. J'ai encore tué quelqu'un. Ça me fait délirer cette merde. Je vais mettre celui-là. J'ai un énorme fusil. Moi aussi. Si tu vois ce que je veux dire. Ah, oh, j'ai touché personne. Sont Seigneur d'arène, putain, ça va pas. Ok, alors je peux mettre un autre commando. Ouais, c'est ce que je vais faire. J'ai un énorme fusil. Je suis prêt. Bon, ça va, ça se passe plutôt pas mal. Maintenant, faut savoir ce qu'il est, faut voir ce qu'il a dans son. J'ai encore touché personne, putain. Et bing! Putain! C'est pas. Bah, ok. Bien joué. Ouais! GG! Marque du chasseur. Fait tomber les points de vie d'un serviteur à 1. Ah, c'est bien ça. Pour 0 en plus. J'aime bien. Je sais pas si je vais les avoir dans mon deck. Je pense que si quand même. Comment on peut regarder? Attends, retour. Je vais juste aller voir vite fait les decks de base.
Tous les jeux. Promo, c'est quoi ça? Ça, c'est juste les cartes experts que j'ai sur mes persos. Ah voilà, jeu de base. Donc là, chasseur, j'ai un nouveau truc. Elles sont sympas les cartes chasseurs, hein. Franchement, y a pas à dire. J'aime beaucoup. Bon, on va relancer. Hop, c'est parti. Quand j'aurai prochain coup que j'aurai, enfin quand j'aurai 150 d'or, je balancerai une arène. Parce que de toute façon, hein, faut tester, y a pas le choix. Bon, par contre, je suis pas prêt de les avoir les 150, je pense. Il va falloir que je joue des parties quand même. Bon là, prochaine victoire, j'ai 10, donc il me restera 30 victoires Valira à faire. Contre Valira. Soyez. Ah merde, j'ai pris Valira. Je vous tuerai. Bah, c'est pas grave. Moi j'aime bien. Putain merde, j'ai pris Valira sans faire exprès, je voulais jouer le chasseur. Non, je me fais pas chier. Sérieux? Non, c'est de la triche. Merci. Qu'est-ce que vous voulez? Bon. Allez, Valira, dépêche-toi. Valira doit te tuer. Non, faut mais... pas chercher longue défense. Chasseur de tranche bouche. Ok. Là j'ai. Je vais faire mon arme. L'attaque pernicieuse. Il est l'heure de mourir. Oui. Je vais attaquer elle. Allons-y. Travail terminé. Bon, elle va pas mourir, mais prochain coup, je peux mettre mon Bazingo. Putain, mais y'a rien là, non? Oh! Faut pas chercher longue défense. Bon. On va faire de la musique. Oh, j'arrête la musique. Bazingo! Putain. Je la sens pas cette partie. Y'en a sa part. Travail terminé. Chargé, prêt à tirer. Non, mais non. Monsieur l'arbitre. Eh, hey, la fille de ma mère, monsieur l'arbitre, c'est des conneries, ça. Il peut pas me le tuer, là. Vas-y, tue-toi. Oh. Ok. Allons-y. Mec. Je l'attaque lui, hein, parce que je vais pas su sacrifier mon taunt pour rien. Autant faire des dégâts sur le champion. Allez, on fait un peu de musique. Butez-le! De la musique, j'ai pas trop vu ce qu'il a fait du coup. Alors, chef de raid, il m'a tué mon Bazingo, il m'a attaqué moi, maîtrise des dagues. Ok, alors
Que peut-on faire? Un grunt. Qu'est-ce que vous voulez? Un défias. Dégagez. Oh, je l'attaque lui. Pourquoi j'ai pas utilisé ça? Je suis con. Oh ouais, bah j'utilise maintenant. Je suis trop con. J'aurais pu lui faire deux dégâts en plus, je suis trop con. I'm too con. En plus il a même pas de taunt lui. Prochain tour je peux mettre le seigneur de la reine. Monsieur l'arbitre, non, je dis non. Qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, c'est des conneries ça. Ouais. Bravo Moray. Ah non, pas des murlocs. Oh non, the deck murloc. Seigneur de la reine. Les portes sont ouvertes. C'est moi que tu regardes. Ouf. 3, 5, 7, 8. Il a 8 de dégâts là. 5 points de vie. Pour le tuer, il faudrait qu'il tue. Ça, c'est pas genre lui et lui. Sérieux? Carrément. Ok. D'accord. Non, je lol. Un truc de merde. 0 à 0 quoi. Alors. Les portes sont ouvertes. Allons-y. Je continue d'attaquer. Là il va faire péter ses murlocs à la con. Prochain tour je fais. J'aimerais bien avoir une petite carte, genre là j'ai 7. Une carte à 2 de mana, ce serait bien. Qu'est-ce que vous voulez? Fuck les murlocs! J'en ai marre des murlocs. C'est quoi cette connerie là? Sérieux, il a des murlocs partout. Deck de merde. Comment je vais là? Bouclier divin. Inflige 2 points de dégâts. Lune d'argent ne tombera pas. Ce gars est foutu. Allons-y. Je dois attaquer le serviteur avec provocation. Ouais. Bah là, je sais pas comment ça va se finir. Ça va être tendu, je pense. Parce que ces putains de murlocs là, à la con, ils sont relous. Là, il a 5, 7, 8 de dégâts. Oh, mais c'est pas sérieux ça. Ça me... Arrête de me renvoyer mes persos. Hein. Mon bouclier pour Argus. Il a mal placé ce con. Il est trop con. Il aurait faut dû pas chercher longue défense. Waouh. Putain. En vrai, il a que des cartes de merde. Hein. Putain. Ok. Bon. Chargé, prêt à tirer. Ok, ça c'est fait. Ensuite, si je fais ça, faut que je lui enlève vire sa provoque en fait. Lune d'argent ne tombera pas. Allons-y. Ouais, mais là je me mets dessus. 3, 2, 2. Alors attends. 5, 7, 9, 10. Wow. Ouais, faut pas que j'attaque. J'ai un énorme fusil.
Oh, encore des murlocs. Ah, je crois qu'il a assez pour me tuer là. Bien joué. Bien joué. Ah non, putain. Ah c'est... Non mais de toute façon je voulais pas jouer Rogue. Je voulais pas jouer Rogue, c'est pour ça que j'ai perdu, parce que j'avais pas envie de le jouer. Oh putain, il a bien joué, franchement, putain de Murloc, il y en a partout. Oh là là, une cata ces trucs. Une vraie cata. Je me rappelle de Fanta qui avait fait un deck Murloc là contre Bob, il l'avait défoncé avec. Bob il pouvait rien faire. Bah là c'est pareil. En fait, les créatures sont pas fortes, mais il y en a partout. Et du coup toi tu te retrouves comme un con parce que tu peux rien faire, y a trop de créatures en face en fait. Rexar contre Anduin. Anduin win. La lumière nous apportera la victoire. Je la traque. Commence. Ouais. Cool, ouais c'est bien ça. It is good. Tire des arcanes. Ok. Sérieux, il n'y a qu'un de ses sorts pour mon sanglier. Yes. Place une copie d'une carte aléatoire de l'adversaire dans votre main. Oh, j'espère que c'est pas ça. T'imagines, t'as une carte hyper rare et super forte. Il te la chope. Travail terminé. Travail terminé. Bon, alors le prêtre c'est super chiant à jouer, il se soigne sans arrêt, il balance des mots, des sorts et des conneries comme ça. Ah ça c'est cool ça, le loup. Je vais faire... Prochain tour, je mets le chef de raid. Enfin, s'il me nique pas, mais une bestiole. Je sens le sort qui va me niquer mes bestioles. Non, n'attaque pas, vilain. Putain, c'est bizarre. Il a pas mis de bête depuis. Il a pas mis de monstre depuis le début. Hein. Mais je sais qu'il y en a. Il joue qu'avec les sorts. Il a vraiment rien à faire, on dirait. Ou il garde ses cartes. Ok, j'ai encore. Je vais pas la mettre. Je vais faire ça. Butez-le! Le loup, je le garde pour prochain coup. Non! Putain, j'en étais sûr que c'était ça qu'il avait chopé. Ok, ça c'est nickel. Faut pas chercher longue défense. Travail terminé. Ok, il y a plein de cartes, 7 cartes, j'en ai 2. J'espère qu'il va commencer à pouvoir mettre des grosses cartes, je pense. Je suis dans le caca quoi! Je dois réfléchir.
Au nom de la lumière. Chaque fois qu'un personnage est soigné, il gagne plus d'attaque. Ouais, quand même. Oh, bien joué. Ok. Putain, c'est fort pour une carte à 1, ça. Alors. Chargé, prêt à tirer. Je peux sacrifier mon colisque. Bien joué. Tu vas tâter de mon fer. Oh, sérieux. Il surrender. Bon bah voilà les amis, on va arrêter cette vidéo ici, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires, je prends tout ce que vous avez à me donner comme conseil. Qu'est-ce que je raconte? Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah écoutez, abonnez-vous hein, si vous voulez suivre la suite de mes aventures sur Hearthstone Heroes of Warcraft. Qu'est-ce que je raconte? N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook pour savoir quand je sors mes vidéos. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde !